Et ce soir, c'est Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, qui présente, lui, ses voeux à la presse étrangère. Cela se passe à Jérusalem. Bonsoir, Dran Evan Zapir. Alors, la presse étrangère, parce qu'il y a des messages à faire passer, et notamment un qui concerne la Suède, ce pays avec lequel on peut dire qu'il y a une sorte de crise diplomatique sérieuse entre Israël et donc Stockholm. Et au centre de cette crise, la chef de la diplomatie suédoise, Margot Wallström, qui, très récemment, devant le Parlement suédois, a déclaré qu'il fallait peut-être traduire en justice les Israéliens, les membres des forces de sécurité israéliennes responsables des morts palestiniennes de ces derniers mois, sans préciser que ces Palestiniens morts ont été armes à la main après avoir tenté de s'en prendre à la vie de soldats ou de policiers israéliens, voire même de civils israéliens, et qu'ils s'apprêtaient, selon toute vraisemblance, à poursuivre leur œuvre de mort. Donc, par conséquent, les Israéliens qui s'en sont pris à eux étaient en état de légitime défense. Mais ce n'est pas l'avis de la ministre suédoise des Affaires étrangères. Réaction de Netanyahou devant les correspondants de presse étrangers tout à l'heure. Les propos tenus par Mme Wallström sont outrageants, immoraux, injustes, faux et stupides. Alors, beaucoup de qualificatifs, mais on note quand même que Netanyahou est allé un petit peu moins loin que certains de ses ministres, notamment Yuval Stanitz, qui a déclaré que les propos de la ministre suédoise avaient des relents d'antisémitisme. Et puis le ministère des Affaires étrangères, à la tête duquel se trouve justement Benjamin Netanyahou, le ministère israélien des Affaires étrangères, a publié le communiqué suivant, peu de temps après les déclarations de la ministre suédoise. La ministre suédoise Wallström, dit-on au ministère donc israélien des Affaires étrangères, soutient le terrorisme et encourage la violence. Alors, quelles conséquences concrètes, justement, cette crise ? Alors, première conséquence concrète, la Suède n'aura aucun rôle à jouer si le processus de paix en venait à être réhabilité, si les négociations israélo-palestiniennes reprenaient, Israël cesserait tout contact dans ce domaine du processus de paix avec les responsables suédois. Alors tout ça est très symbolique, bien évidemment, parce que une relance des négociations de paix, on en est loin, chacun le sait, et la Suède n'a jamais véritablement joué de rôle important dans les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Alors il y a également évidemment une question plus large, c'est celle de la relation aujourd'hui existante entre Israël et l'Europe plus globalement. Alors il faut dire que les mauvaises relations entre Israël et la Suède ne sont pas du tout représentatives de l'état des relations entre Israël et l'Europe. La plupart des pays européens, les grands pays européens, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, sont dirigés par des personnalités politiques qui ont plutôt de la sympathie vis-à-vis d'Israël. Il y a des problèmes, notamment la fameuse affaire de l'étiquetage des produits manufacturés dans les implantations de Cisjordanie sur le plateau du Golan qui sont exportés vers l'Europe, ça n'a pas plu à Israël. Israël qui avait décidé, on s'en souvient, de couper les relations avec les institutions de l'Union européenne, pas avec les États européens, mais avec les institutions européennes, concernant, encore une fois, tout ce qui concerne le processus de paix. Mais, une fois de plus, le processus de paix pour l'instant, l'Union n'a pas. Donc, cette décision n'a que peu de conséquences concrètes. Merci, Dror Evan Zapir.